Bonjour à tous et bonjour à toutes, nouvelle vidéo sur la chaîne de Rackrock Gamer. Aujourd'hui je suis accompagné d'un Mister Météo. Bonjour à toutes et à tous, encore une fois. Et voilà, nous allons faire donc du Orc Must Die 2. Oui, donc Orc Must Die 2, donc ça, solo ou multi, ça dépend de vos choix. Ouais, enfin, perso, solo. Non, eh bah, ce jeu n'est pas fait pour toi. Ouais, bon, ça c'est fait, merci vraiment pour ça, allez hop. Alors, donc, par rapport au premier, bah, il y en a pas trop de nouvelles, hein. C'est nouveauté majeure, bah oui, bah, c'est le coop. Et, qui dit coop, dit souvent map pour coop. Et bah, on voit malheureusement le cas, quoi. Donc, j'ai pas être trop, j'ai bien aimé le premier. Le deuxième, c'est, je suis beaucoup plus mitigé là-dessus. Déjà, je vais commencer directement par les points négatifs, hein. Oui, on va gagner du temps, parce que... La campagne, bon, qui est assez courte, je crois qu'on a une quinzaine de maps, mais on a heureusement plusieurs modes alternatifs, donc comme les vagues infinies, avec la difficulté qui augmente. Donc bon, ça peut s'avérer, bon, par contre, c'est la vague infinie, donc comme on le voit, je suis à la première vague. Mais bon, c'est vrai que... c'est bien, au moins là-dessus, je préférerais plutôt une vague à l'infini plutôt que de voir des fois juste quelques vagues d'ennemis alors que t'as pas augmenté à fond tes pièges et c'est pas ce qui est marrant justement, dès que t'en as beaucoup plus. Donc comme je disais, bah, les cartes qui sont faites pour jouer à deux. Donc quand on a plusieurs entrées ou sorties, c'est pas facile. T'en as un peu marre de courir un petit peu, ouais, courir et puis, partout. Faut vraiment gérer sa défense au maximum, mais voilà. Un problème aussi qui est récurrent, c'est que l'utilisation De l'arme, en fait. Comme ça, l'arme principale, elle est beaucoup trop récurrente. Et surtout les pièges sont, on dirait, pas très efficaces. Pas si mal, ouais. Donc c'est pour ça, c'est assez complexe. Même si on peut toujours améliorer les éléments, les pièges géo, tu peux les améliorer grâce à un bouquin, mais c'est vrai que... Alors oui, tu peux les améliorer, mais déjà, préalablement, faut que tu arrives à... Voilà, c'est le nombre de crânes qu'il faut réussir à récupérer, et des fois c'est pas facile. Faut farmer, quoi. Voilà. Ce qui est un peu chiant, parce que souvent t'as pas mal de pièges que tu veux acheter justement, parce que ceux qui sont fournis au départ sont pas top, à part les crasheurs d'acide, parce que des fois tu mets que ça, simplement, là on le verra pour la deuxième map, j'en ai pris que deux maps, pour pas trop spoiler, mais bon... Alors les barricades, j'aurais jamais dû en fait les mettre, parce que souvent elles sont pétées assez rapidement. Oui, ça, je me demande bien pourquoi, mais bon... Voilà, là, c'est les nouveautés, ce qui est pas mal, c'est ça, quoi. C'est les flasques à acide, ils ont mis à nouveau les flammes. Et puis on a le prince encore. Oui, il y a les armes aussi, l'arbalète, est-ce qu'il paraît un petit peu trop cheaté? J'ai pas trop joué, j'ai surtout joué la sorcière. Le trou blond avec le mec aussi qui est assez il est sympa aussi, mais bon, moi perso, alors toi t'as fait la gonzesse, moi j'ai fait le mec. Le mec, alors la gonzesse a le froid, le mec elle a le bandeau. Ouais. Ah oui, pour au départ. Ouais, au départ. Les deux se valent très bien. Moi perso, je suis pas fan. J'aime bien ce genre de type de jeu, mais pour me détendre de temps en temps. Et c'est vrai que là, je me suis pas vraiment pris au truc. Il est sympa, mais bon, je reste plutôt sur le premier. Même s'il y a du coop, on a même pas fait le coop, parce que ça nous est pas plus intéressé que ça, quoi. Enfin. Ça aurait été intéressant. Si, c'est vrai que là-dessus, c'est toujours amusant de jouer à deux. Ça m'aurait, à mon avis, gonflé au bout d'un moment. Le coup, justement, d'avoir des maps en... vraiment pour du coop, c'est sympa, mais quand t'es tout seul et que tu dois gérer 40 000 entrées, c'est juste la merde, quoi. Parce que tu es obligé de prévoir les pièges au fur et à mesure pour que les hordes arrivent. Au bout d'un moment, c'est bien sympa, mais ça devient lourd. Moi je sais que généralement je fais la map et je me la fais en ordre infini et je sais à peu près où ils vont passer, donc du coup c'est plus facile. Après le bestiaire reste le même, on a toujours des difficultés sur certains monstres, mais c'est pas... Il est sympa, mais franchement c'est une petite déception, on aurait préféré un peu plus. Enfin pour ma part. Oui, mais pareil là comme on joue pour les graphismes, c'est le même quoi, ils auraient pu un effort aussi. Bon après,
ça va, c'est pas c'est non pas plus. C'est pas un gros studio, hein, de tête. Non, non. Et surtout que le 2, il coûte une quinzaine d'euros, hein. C'est pas très, très cher. C'est justement, c'est qu'en online. Mais. Non, il n'y a pas de version. Mais voilà, il devient quand même assez vieillissant au bout d'un moment. Ouais, quoi. Et puis bon, bon, je vais pas être méchant, mais en jeu indé qui est super beau, je suis sûr avec ça, mais je reviens sur Trail, il est pas cher non plus, il y a des petites boîtes, et franchement, il crée plus que celui-là. Oui, je me souviens. Bon, on va passer peut-être au point plus. Ouais, même qu'on l'a le style qui est toujours cartoon, bon, aussi le cartoon est toujours assez déjanté entre les persos. L'humour aussi qui est géant. Oui, l'humour toujours. C'est vrai que bon, il y a quand même pas mal donc au niveau des cartes de ressemblance avec d'anciennes. C'est vrai que ça c'est aussi un point plus, un point négatif, le manque de nouveautés, mais bon, c'est voilà, c'est surtout vraiment les armes qu'ils ont pas mal améliorées, les armes, pas les pièges. Donc il y en a quelques-uns nouveaux pièges que j'ai testé. Bon, voilà, il y a aussi des persos comme ça qui sont pas trop indestructibles. T'en chies les médias. Voilà. Et donc toujours le problème de récolter des crânes pour pouvoir améliorer ses armes et pièges. Donc, mais dès qu'ils sont améliorés, ça va, c'est beaucoup plus efficace qu'avant. Mais moi surtout, je pense que j'attendais, c'était peut-être un éditeur de niveau. Franchement, là, ça pourrait être beaucoup plus sympa, oui, parce que on dirait que c'est pas trop compliqué. Et puis, on pourrait beaucoup plus s'amuser plutôt que d'avoir juste les maps des éditeurs. Bah, surtout que, à mon avis, ils vont sortir des maps et elles seront payantes. Moi, je vois bien ça arriver en disant, oui, il y a un nouveau pack de maps, à 5€ les 3 maps, ou bien d'autres joueurs, enfin... Puis, bon, bah, voilà, quoi, c'est génial. Alors, c'est vrai qu'un éditeur de niveau aurait été fait ça. Ah oui, ça empêche la communauté de jouer, ça va beaucoup plus s'amuser. Bah voilà, ça. Puis ça va remonter aussi la durée de vie, parce que la durée de vie globale du jeu, elle est pas énorme, quoi. Non, là-dessus, non, la campagne, mais après, si tu peux faire d'autres, bon, après, les défis, bon, est-ce que tu, ouais, toujours encore bah, un après, peu, est-ce bon, que, ouais. Alors, le truc, c'est, voilà, tu fais ta campagne, bon, t'as un pote qui a le même jeu, tu joues avec ton pote, bon, est-ce que tu te fais chier à faire les défis, ou alors, bon, tu te désinstalles, et puis, tu vas sur un autre jeu, quoi. Ouais, ceux-là, c'est vrai que j'ai pas joué très très longtemps, donc moi j'ai fait la moitié de la campagne, et au bout d'un moment, c'est toujours la même chose, je suis passé à autre chose, quoi. Voilà. Il n'y a que ça qui est intéressant. C'est le nombre de pièges que tu peux faire. Ouais, c'est vrai que là, par contre, t'as été gros bourrin.com, mais Ah bah oui, parce que vu qu'il y a pas mal d'ennemis, alors il y a certains ennemis, bah là, il y a les nouveautés, c'est vraiment les, je crois, c'est les loups-garous, c'était les mêmes. C'est plus les trolls beaucoup plus difficiles à battre, ceux qui sont résistants au poison, bien sûr, un troll résistant au poison. Et des magiciens comme ça, les cyclopes, qui sont assez complexes des fois à tuer, ou les gobelins qui font respawn au niveau des autres persos. Donc c'est pour ça, des fois on est obligé de mettre pas mal de pièges pour histoire d'éliminer un maximum d'ennemis. Pour écrémer le maximum d'ennemis. Bah oui, parce que là, même les archers, ils ont des soucis, et voilà, comme j'ai dit, il faut courir partout, d'un côté et de l'autre, pour pouvoir arriver à peu près à défendre. C'est pareil, t'as des unités, alors les archers, c'est vrai que ça fait pas toutes les nains, ça l'est beaucoup moins quand même. Bah maintenant, ça l'est beaucoup moins à cause des gnolls, voilà, ou qui sont assez pénibles, qui courent assez rapidement, et tuent surtout très rapidement, alors, c'est notre oui, personne, c'est très, très et les joueurs, là, les archers, pas les joueurs. Les PNJ. Donc ça peut être des fois assez complexe. Donc c'est pour ça, mieux vaut mettre plutôt un tas de pièges qui balancent juste de l'acide plutôt que de prendre des fois des archers. C'est bof. Surtout éviter de tomber dans la rade. Ouais, oui. Non, mais voilà, c'est vrai que. Bon, ça reste quand même un truc sympa, mais. On va attendre le 3, quoi. Ouais, oui, tout à fait. On verra ce que ça. Déjà, on va voir s'ils sortent un 3 et puis on verra comment il est. C'est pas le jeu de l'année, quoi. C'est une petite déception. Donc, ça reste quand même sympa. Bon, écoute, t'as fini. Et bah voilà, sur la petite danse de la journée. Voilà. Et puis, maintenant, on va vous laisser et puis on va vous souhaiter à la prochaine fois. Bah oui, tout à fait. Au revoir. Au revoir.